quelle ronde chantais tu, ma mère, si je vous laisse une ronde à toi, hommie, quand revenait le mois d'avril à une demeure à chair avril car tu as été une enfant l'enné qui compte se t'éfla tu as bondi à travers champs crève crève si houle l'arbre tu avais des sabots à de fleurs tu avais un un tablier de couleur Tu aimais voler les groseilles. Quand tu aimais voler groseilles, les groseilles. Et importuner les abeilles, les abeilles et tu déranges Et tu souvent l'école. وغالبا ما تهربين من المدرسة pour flâner le long du ruisseau للتنزه على طول النهر الصغير ruisseau نهر صغير on me l'a dit encore tantôt قالوا هاي لي مرة أخرى في الوقت السابق et malgré tout ce qu'on m'a dit وعلى الرغم من كل ما قيل لي je te vois mal en ce temps-là je m'imagine chaque fois à te relier non si vous marra, tant je t'ai connu grave et bonne, et bonne, une marra qui j'ai que tu n'as pas été enfant, ou un nèke qui aime sa flan, et que dieu te te crée maman, ou un allah ala hakalakaki omi, un allah ala has zawaïl hakalakaki omi du premier geste de la main. من حركة اليد الأولى كوم نيل ليبي لي دو بلي كما خلق سنابل القمح بلي القمح لي سنابل القمح اي لون ايتوال دو بيرجي ونجمة الراعي المتواضع امبل متواضع ايتوال دو بيرجي الراعي Alors regardez, qu'est-ce que vous voyez Une abeille. Une abeille. Un petit enfant. Grosé. Regardez, grosé. Un arbre de grosé. La fille est tellement contente. Elle court. Elle est souriante. Ou On passe à la question. Qui est l'auteur de ce poème? Man est Regardez. C'est Maurice Carême. Donc l'auteur c'est Maurice Carême. De qui parle-t-il? À ma Le poète parle de sa mère. Le chagir yataklema an omi, عندما كانت صغيرة. L'enfance, l'enfance de sa mère. Donc, je répète, le poète parle de sa mère. 3. Qu'est-ce que le poète a appris sur l'enfance de sa mère Donc, le poète a appris que sa mère allait jouer le long du ruisseau

le poète croit-il sa mère capable d'avoir fait des bêtises quand elle était enfant Relève le verre qui le montre. Non, le poète ne croit pas sa mère capable d'avoir fait des bêtises étant enfant. La troisième strophe le montre bien. Pour le poète, sa maman grave et bonne n'a pas été une enfant. De combien de vers le poème est-il composé Il y a combien de vers dans le Qasida Beit Shari, vers. Donc on va compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc le poème est composé de 22 vers. On va compter les nombres de strophes. Donc la première strophe, deuxième, troisième, quatrième. On a quatre strophes. Un, deux, trois, quatre. Avec quel mot rime, enfant, dans la deuxième strophe Donc, rappelez-vous très bien. Une rime est une répétition de sons semblables à la fin des vers du poème. Il y a une rimes euh, Comme ça. Regardez, on a ici une enfant. Donc, enfant se termine par en. Alors... Le mot enfant rime avec le mot chant. La même enfant, chant. On cherche un, 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 un autre mot qui se termine par en. Enfant, chant, maman. Donc, le mot enfant rime avec le mot chant, avec ce mot, et avec maman. Il se termine par le même sang, en. J'espère que vous avez bien aimé cette poésie. Je vous dis merci. À la prochaine.